elles ont été étendues pour que nous puissions prier pour tout ce qui est nécessaire à la vie des hommes, non seulement la santé, mais également les cultures. Et c'est la raison pour laquelle on prie plus particulièrement lors de processions dans les champs pour les résultats des moissons. Et pendant ces 3 jours, nous allons prier plus particulièrement aussi pour que le Seigneur bénisse les cultures, ces cultures dont nous redécouvrons qu'elles sont à ce point capitales dans l'économie de notre pays actuellement sinistre. Simon, ora pro nobis, sancte Taddei,
Matthias, ora pro nobis, Sancte Barnaba, ora pro nobis, Sancte Luca, ora pro nobis, Sancte Marce, ora pro nobis, omnes Sancti Apostoli et Evangelisti, ora pro nobis, omnes Sancti Discipuli Tomi, ora pro nobis, omnes Sancti Innocentes, ora pro nobis, Sancte Stefani, ora pro nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis, Sancte Vincenti, ora pro nobis, Sancti Fabiani et Sebastiani, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Pauli, ora te pro nobis, Sancti Cosma et Damiani, ora te pro nobis, Sancti Gervasi et Protasi, ora te pro nobis, omnes Sancti Martire, ora te pro nobis, Sancte Silvestre, ora pro nobis, Sancte Gregori, ora pro nobis, Sancte Ambrosi, ora pro nobis, Sancte Augustini, ora pro nobis, Sancte Hieronimi, ora pro nobis, Sancte Martini, ora pro nobis, Sancte Nicolei, ora pro nobis, omnes Sancti Pontifices et Confessore, ora te pro nobis, omnes Sancti Doctore, ora te pro nobis, Sancte Antoni, ora pro nobis, Sancte Benedicti, ora pro nobis, Sancte Bernardi, ora pro nobis, Sancte Dominici, ora pro nobis, Sancte Francisci, ora pro nobis, omnes Sancti Sacerdotes et Leviti, ora te pro nobis, omnes Sancti Monachi et Eremiti, ora te pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, Sancta Agata, ora pro nobis, Sancta Lucia, ora pro nobis, Sancta Agnes, ora pro nobis, Sancta Cecilia, ora pro nobis, Sancta Catarina, ora pro nobis, Sancta Anastasia, ora pro nobis, omnes Sancti Virgines et Vidue, ora te pro nobis, omnes Sancti et Sancte Dei, ora te pro nobis.
pacem veram concordiam donare dignieri, te rogamus audienos. Ut cuncto populo Christian, pacem et unitatem largiri dignieri, te rogamus audienos. Ut omnes errantes ad unitatem ecclesiae revocare, et in fidelis universos ad evangelii lumen perducere dignieri, te rogamus audienos. Ut nos metiscos in tuo sancto servizium confortare et conservare dignieri, te rogamus audienos. Ut mentes nostras a celestia desideria eriva, te rogamus audienos. Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bonare tribuas, te rogamus audienos. Ut animas nostras fratrum propincorum et benefactorum nostrum ab eterna damnatione eripia, te rogamus audienos. Ut fructus tibi dare et conservare dignieri, te rogamus audienos. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare dignieri, te rogamus audienos. Ut nos exaudiri dignieri, te rogamus audienos. Fili Dei, te rogamus audienos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. Se libera nos a malo. Deus, in adjutorium meum intendi, Domine, ad adjuvandum et festina, confundantur et reverentur, neque vont animam mego, avertantur et clausum et erubescam, qui valunt victimatur, avertatus stati meru crescentem,
conscientibus propter nomen tuum, vitam aeternam amen. Oremus propideibus et fontis. Requiem aeternam dona eis Domini, erux exempetu annunciati. Requiescant in pace. Amen. O fatibus nostris absentibus. Salvus fac servus tuos, Deus meus sperantes in te. Mite eis Domine auxilium de sancto. Edition fueri Deus. Domine ex adiurationem meum. Et amor meus a te felia. Dominus obisti. Et cum spiritu tuum. Dieu à qui seul appartiennent la miséricorde et le pardon, accueillez notre prière, et que votre amour plein de pitié nous délivre, nous et tous vos serviteurs enchaînés par les liens du péché. Nous vous en supplions, Seigneur, prêtez l'oreille à nos humbles prières, faites grâce aux pécheurs qui vous avouent leur faute, et dans votre bonté, accordez-nous à la fois le pardon et la paix. Daignez, Seigneur, nous montrer votre infinie miséricorde, afin qu'elle nous délivre de tous nos péchés et en même temps nous fasse échapper aux châtiments qui nous ont mérités. Dieu qui est offensé par le péché, mais qui vous laissez apaiser par la pénitence, regardez avec bonté votre peuple en prière et détournez de nous les châtiments de votre colère que nous avons mérités à cause de nos péchés. Dieu éternel et tout-puissant, ayez pitié de votre serviteur, notre pape François, et dirigez-le avec bonté sur le chemin du salut éternel, afin que par votre grâce, il ne désire que votre volonté et l'accomplisse de toutes ses forces. Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, accordez à vos serviteurs cette paix que le monde est incapable de nous procurer, afin que nos cœurs s'attachent à vos commandements et que notre époque, libérée de la crainte de la guerre, connaisse la tranquillité sous votre protection. Seigneur, purifiez nos cœurs et nos cœurs au feu de l'Esprit Saint, afin que nous puissions vous servir avec un corps chaste et vous plaire avec un cœur pur. Seigneur, par qui tous les chrétiens ont été créés et rachetés, accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, que nos prières ferventes leur obtiennent le pardon qu'ils n'ont jamais cessé de désirer. Nous vous en prions, Seigneur, que votre inspiration devance nos âmes et que votre secours les accompagne, pour que notre prière comme notre travail prennent leur source en vous, et trouvons-vous leur achèvement. Dieu éternel et tout-puissant, maître souverain des vivants et des morts, vous regardez avec la même miséricorde tous ceux dont vous savez à l'avance qu'ils vous appartiendront par leur foi et par leur vie. Certains de ceux pour lesquels nous voulons prier sont encore retenus sur la terre avec leur corps, et d'autres l'ont déjà quitté pour la vie future. Nous venons supplier votre bonté pleine d'indulgence par l'intercession de tous vos saints de leur accorder le pardon de tous leurs péchés. Père Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dominus obis. Et cum spiritu tuo. Exaudiat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen.